à tous, ici Falcon Sky, bienvenue à cette nouvelle review. Aujourd'hui, review Lego Speed Champion avec la Chevrolet Corvette Z06. Donc on va regarder ça ensemble. Donc derrière la photo de la vraie, comme pour la Mustang. Et puis trois petites photos à part. Donc ici il y a une petite caméra, avec un petit accessoire avec. Hein. L'échelle 1-1 de la figurine. Donc voilà, on va regarder ça ensemble. On va l'ouvrir. On va par là. Hop. Planche d'air qui se pète la gueule. C'est mon enceinte qui l'a tenu, mais elle ne tient plus. Voilà. Donc comme la Mustang, 1, 2, 3 sachets, plus aussi des jambes différentes. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est les mêmes jambes que la Mustang. Enfin, hormis la couleur. La petite planche d'autocollant. Le modèle, donc récapitulatif des pièces. Là on a un autre visuel par rapport au sachet qu'on a vu avec la Mustang, donc avec des sets en fonction, donc Audi, Chevrolet, Ford, Porsche. Voilà, on avait ça dans la avec la Mustang. Ils ont rajouté cette petite image. Voilà, puis après c'est le montage. Bon, ben je fais le montage de ça et puis on se retrouve après pour mon avis. A tout de suite. On se retrouve, montage terminé. Donc je vais vous faire voir. Voilà, la seule possibilité du set, c'est le toit qui s'ouvre. Hop, comme ceci. Donc pour y glisser la figurine dedans. Je vais vous faire voir l'intérieur du cockpit. Putain, pourquoi je dis toujours cockpit sans déconner? L'intérieur de la voiture, c'est un avion, c'est pour ça. Donc ça, hop, donc la petite caméra qui bouge, hop, comme ceci. Donc faut tenir le cul, bien sûr. Là, c'est trop centré un peu. Donc mon avis sur cette voiture, donc pareil que la Mustang. Hein. Donc c'est pas assez large pour moi. C'est voilà. Une Corvette, c'est aussi très très large, et là bon, c'est pas large. Après, ça reste du Lego, hein, de toute façon, faut pas non plus se leurrer. Enfin, ça reste du Lego, à dire, ça reste du modèle entrée de gamme, hein, pour 14 €. Faut pas non plus espérer avoir un truc énorme. Donc, non, franchement, pour le prix, ça va. Voilà, les petits ajouts qu'ils mettent avec, c'est sympa. Hein, je veux dire, autant pour la Mustang. C'était assez basique, quoi, j'en avais même pas trop parlé. Autant la petite caméra, c'est sympa, moi j'aime bien. Donc la figurine est bien faite, la voiture aussi. Hein. Bon, heureusement qu'il est autocollant, parce que sinon on serait pas trop à quoi ça ressemble. Hein. Donc les autocollants qui disent ce que c'est. Mais bon, c'est pas mal. C'est pas mal, voilà. Pour 14 €, je vais dire que c'est pas mal. Donc voilà, rien d'autre à rajouter. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine review. Salut !